بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان الله سبحانه وتعالى بجانوش فرسي، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ستنمون في انقصة إنساننا دلامية فوم. La forme, chers frères et sœurs, à taqwim, n'est pas juste physiquement la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créé, mais avec toutes ces bonnes implications qui viennent de sa insana, avec toutes bonnes qualités qui est un insan bizarre et nos chers frères et sœurs, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, ça qui meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala de sa sagesse sans limite, il fin créé nous avec une qualité, il est possible que sa qualité là, il vienne un test pour nous. Une qualité qui de la société nous capable de trouver bon. Une qualité qui nous capable de trouver pas bon. Ça dit vous n'a et n'a ça dans lui. Allah subhanahu wa ta'ala accepté fin créé nous différemment pour lui tester nous. Nous capable de trouver un dimon, chers frères et sœurs, il y a la honte beaucoup dans lui. Même dans son propre la case avec ses enfants, tout yoko et n'a sa qualité là. Ça, c'est une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre dans lui pour montrer. Ça, c'est une parmi ban bonne qualité. Une autre façon, il y a un dimon, la moindre petite chose est capable en coller. La moindre erreur est capable en colère. Allah subhanahu wa ta'ala fin créé comme ça, pas pour lui rester dans sa façon là, mais c'est comme un test pour lui, afin qu'il y combatte sa qualité qui y est dans lui là. Chers frères et sœurs, et la bonne qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé dans nous, parfois sa bonne qualité là, je suis capable de faire une bonne, et parfois sa bonne qualité là, je suis capable de faire une mauvaise qualité. Il dépend de qui situation fin arrive, ça quitte chose là. Et un parmi là-dedans, chers frères et sœurs, c'est ça qu'ils nous appellent anisian, l'oubli. M'oublier une quitte chose. Est-ce que c'est un bon quitte chose, ça? Est-ce qu'il oublie, c'est une mauvaise qualité dans un djimoun? Est-ce qu'il oublie, c'est une bonne qualité dans un djimoun? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand crée nous, il finit créer nous avec sa qualité là. En premier, chers frères et sœurs, l'ibo nous connaît qui djimoun. En arabe, nous appelons les autres insan. En arabe, nous appelons les autres insan. Qui fait? Parce qu'il nous trouve que dans le langage arabe, le mot insan, soumia insan an minan nisyan. Il fin dérivé du mot nisyan. Nisyan qui veut dire? Blié. Le nom insan fin dérivé du mot nisyan. Nisyan qui veut dire? Blié.
Ibn Abbas radiallahu an, quand on a posé la question, l'Ola lui dit Innama summi al insanu insanan li annahu ahida ilayi fanasiya. Fin appelle insan insan parce qu'il fin fait une Pâque, ensuite il oublie lui. Ensuite, insana, il oublie sa Pâque qu'il fait là. Qui Pâque, chers frères et sœurs, quand nous guettons dans Surah 7, ayat 182, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, alastu bi rabbikum, qalu bala. Shahidna. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin prend depuis les reins Adam alayhi salam, sa génération, nous tous là-dedans là. Allah subhanahu wa ta'ala met zot là et dit zot. Est-ce qu'il c'est pas moi zot rob? Tout le monde qui dit, bala, shahidna, certainement nous donne témoignage. Chers frères, c'est que ça n'a pas mis nous mazine ça. Qui ça n'a pas mis nous mazine ça moment là. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous faisons li. Allah peut embêter nous? Nous oublions ça, oui, non? Nous oublions, chers frères. Mais seulement, excepté quand arrive le jour Qiyama, nous rappelons. C'est ça qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, nous peut faire nous connaître. Qui insan fin dérivé du mot nasiya, parce qu'il ne sait pas qu'il prend la même, il finit oublier. Chers frères et sœurs, quand nous guettons dans le langage arabe, quand nous savons de langage arabe, nous disons Wa ma soumi al insanu illa li nasihi, wa la al qalbu illa annahu yataqallab. Insan, pas fin de nous, ça non là la cause d'oublier, nasiya. Et al qalb, l'équerre, pas fin appelé l'équerre, dans le langage arabe, qalb, li annahu yataqallab, parce qu'il est sensé. Qallab veut dire virer. Qui fait fin appelle l'équerre par le mot qalb? Parce qu'il l'équerre, aujourd'hui, il est content ça demain, il est content l'autre. Azodi il détestait ça déjà, c'est une petite chose qui plie, il plie content. La cause ça finit appelé qalb. Qalb dans le langage arabe veut dire une petite chose qui changeait. Pareil comme ça même insan dans le langage arabe dérivé du mot nasiya, parce qu'il lit l'oublié. En premier, chers frères et sœurs, quelle que soit la situation, première conviction qui vient venir dans nous, c'est qu'il s'arrête là jamais l'oublié. Il n'a pas une qualité, mais c'est moyen une qualité dans insan. Quand Pharaon peut cause avec Moussa alayhi salam, lui dire, quand la femme a mal il couronne il oula, dans Surah 20, Surah Taha, lui dit avec Moussa alayhi salam, beban peuple qui est avec nous là, qui n'arrive je Dieu. Moussa alayhi salam, get dit, j'ai dit, quand la ilmouha inda rabbi fi kitab, il dit ça, mon rob déjà connaît ça, la yadul rabbi wala yansa, mon rob jamais fait erreur et jamais l'oublier. Mon rob jamais fait erreur et jamais. Et jamais l'oublier. Et pareil comme ça même dans Surah 19, Surah Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah subhanahu wa ta'ala pas oublié non. Allah subhanahu wa ta'ala pas oublié non. Ça nous est sûr de ça qui chose là, chers frères et sœurs. Semaine passée, mon oublié qui m'a mangé, mon oublié qui m'a fait, qui m'a dit. Pour une semaine, mais seulement depuis la création, ça tout bonne créature, jusqu'à aujourd'hui, chers frères et sœurs, qui ne passait pour chacun parmi nous. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin oublié non. L'oubli, chers frères et sœurs, il dépend depuis un insan. Parce qu'il est dans la nature du monde. Du monde là, il appelle insan, il peut bien oublier oui non. Il peut bien oublier. Mais seulement, il peut dépendre de ça du monde là, de son intelligence. Il peut dépendre de ça du monde là, de son âge, de la qualité qui y est là dans lui. Parce que de nature insan, nous commençons par Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa laqad rahidna ila Adam min qabl fanasiya. Dans Surah 20, Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit certainement nous faisons une Pâque avec Adam alayhi salam. Ensuite, qui est arrivé? Fanasiya, l'inblié sa Pâque là. Adam alayhi salam, si premier insan l'inblié, chers frères et sœurs, aujourd'hui qui va arriver nous? Nous continuons, nous venons avec Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam nous servit l'oubli comme un de ce ban. Point pour l'idée fanni. Dans Surah 18, Surah Kahaf, lui dit Là tu arrives ni bima nasitu. Ohid, pas prends-moi pour quelque chose qui m'a oublié. Quand fin dit, il ne te pose moi aucune question, l'action qui m'a fait. Le temps qu'il fait une action, il pose question oui non. Qui lui servit l'idée fanni? Lui dit Là tu arrives ni bima nasitu. L'inblié. Moussa le salam inblié, chef. Moussa le salam inblié. Rasul sallallahu alayhi wa sallam inblié. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin déjà fait un namaz zohar, 5 rakats. L'in déjà fait un namaz zohar, 10 rakats. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin déjà fait un namaz zohar sans lui faire premier tashahoud, sans lui faire premier tahiyat. Il continue un seul coup de 4 rakats. L'inblié. Meilleure créature qui fin exister l'eau salatée là, chers frères et sœurs, l'inblié. Mais nous, insan astir. Mais nous,
Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand vient avec son compagnon, il dit à eux, « Moi, tu peux venir pour faire eux connaître laquelle la nuit de l'élat le code. » Mais dès que mon compagnon, il a dit, « Et moi, je l'oublie. » L'oublie. Qui l'oublie? L'oublie qui la nuit de l'élat le code. Qui fait vous l'amener? Vous l'amener? Il y a Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un point important comme ça. Est-ce qu'il nous regarde ça, chers frères? Qui fait? C'est de qualité insane, oui, non? C'est de qualité insane. Mais seulement, chers frères et sœurs, un dimoun n'y passe à vie ça. Un dimoun n'y passe à vie de tout ce point. Demain, oui, tu es capable d'oublier pour mettre du sel de manger. Nous vous acceptez. Parce qu'insane n'y peut oublier, oui, non. Mais seulement, un qui ken, un celui qui n'a iman, chers frères et sœurs, n'est pas capable d'oublier l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, quand il amène un point qui lui fait nous connaître, un insan, oui, te dérivé du m'oublier, mais seulement pas toute chose qui te capable d'oublier. Quand il montre nous qualité, ban hypocrite, quand il dit Al-munafiquna wal-munafiquat bardouhum min bard, ya'muruna bil-munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ban hypocrite, qu'il soit monsieur ou bien madame, zot ban allié un à l'autre. Zot ordonne le mal et zot empêche le bien. Wa yaqbituna aydiyahum. Zot tini zot la mais zot pas content des pensées. Nasullah fa nasiyahum. Zot oublié Allah. Zot oublié Allah. Chef, c'est ce qu'un croyant qui a oublié Allah. Je tout vous dire non là. Peina en dimoun quand vous tenez sa ayat là, je ou quoi quand nous oublions Allah. Mais seulement nous besoin comprendre. Qui veut dire oublier ici? Imam Tabari rahimahullah lui dit Tarakou taratillah fatarakahum min rahmati. Comment je quitte l'obéissance à Allah? Appelez ça, je oublie Allah. Comment croyant là, il quitte l'obéissance à Allah? Dordine, comment appelle-t-il, chef, frère et soeur? L'oublie Allah. T'allais à Sar, qu'est-ce que vous pouvez dire? T'allais à Sar. Get kot mo poete. Ensuite, je dis à moi-même, est-ce qu'il m'a coupé ma zine Allah ou bien mon oublié? Pas croire la cause dans mon loto, dans mon lacaze, dans la case Allah. Get ça. Vous croyez dans la case pour oublier Allah? N'en mange pas faire seulement. Fadjal pas faire dans la case pour une madame. Maghrib, il faut dire Ramadan rentrer pour faire Maghrib dans la case là. N'en mange pas faire, c'est moi de sur la case dans la case Allah. Vous croyez dans la case pour avoir ma zine Allah? C'est pas comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Mais seulement le fait qu'il te quitte sur l'obéissance, excepté en retour. D'ordine, reconnaître-lui, comment te fin oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons, chers frères et sœurs, quand un dimoun arrive à ce niveau-là, veut dire l'oublier Allah pour quitter l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut faire lui? Allah subhanahu wa ta'ala donne la réponse dans Sourate Al-Hashr, « Wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum » Pas vin kumaban qui oublier Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait eux? Fait eux oublier eux-mêmes. Fait eux oublier eux-mêmes. Chers frères et sœurs, comme il y a du monde, nous capables de trouver de faire beaucoup de choses. Mais seulement, il dit, oh, le temps pour moi, il m'a payé. Le temps pour toi-même, te payé. Tu en as 24 heures pareil comme moi. Tu en as 24 heures pareil comme tout le monde. Comment se fait-il, le temps pour toi-même, te payé. Il dit, oh, le temps pour reposer, mon payé. Mais qui fait ça? N'est posé la question. Est-ce qui est dans l'obéissance à Allah? Et puis, quand l'obéissance, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est ça, 5 namaz. Est-ce qui te en a ça? De là, nous pas le trouver. Comment se fait-il, t'oublier toi-même? Et a dit, quand c'est le capable malade, mais seulement quand il dit, comment tu oublié pour mon médecine, mais comment tu as oublié ça? Pas la cause, toi, insan, tu as oublié. La cause, tu peux moquer l'obéissance à Allah. Le fait qu'il te moque l'obéissance à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, fait oublier toi-même. Et pareil comme ça, même, chers frères et sœurs, quand un dit, il quitte l'obéissance à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, fait lui commence à oublier lui-même, et il fait lui commence. Pas trop bansi qui Allah subhanahu wa ta'ala amène devant lui. Et ça amène les résultats qui jour qiyama litan sa phrase là. Qala kadhalika atatka ayatina fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Et comme ça même quand bansi tu peux venir devant toi. Et comme ça même quand bansi tu peux venir devant toi, t'oublier lui. Kadhalika al-yawma tunsa. Et comme ça même azodi, Allah oublie toi. Azodi là c'est quand, chers frères? C'est jour qiyama. Imaginez-nous, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas oublié lui. Peine à doute là-dedans. Quand il peut dire l'oublier, il veut dire que je ne pas trouver nous. Si je suis au Qiyama, Allah ne trouve pas nous. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qui fait, chers frères et sœurs? Parce qu'il est la terre. Ben, si là, tu peux venir devant moi, oui non? Ben, si là, tu peux venir devant moi. Combien de signes nous trouver? Ben, qui doit ben les autres places? Je n'ai pas gain facilité pour faire namaz. Est-ce qu'il m'a fait lui? Ban qui dans les autres places, je n'ai pas gain facilité pour couvrir les autres les cours ou bien. Moi dans mon risque, je suis capable. Est-ce qu'il m'a fait aller? Nous allons même comme ça, c'est-à-dire. Nous allons même comme ça. Dans ban les autres places, après 15 ans, quand je donne nom, qu'ils sont capables de faire Hajj. Moi, je finis rassembler la somme. 2 ans, 3 ans, je ne suis pas capable de finir. Je finis comment servir. Hajj après, quand nous avons 60 ans, Inch'Allah. Est-ce qu'il
Bon, mais trouve qui peut arriver. Ban signe là vient devant moi, oui non. Comparé avec ban les autres places. Mais comme on pas trouve ban signe là, m'oublie li. Allah subhanahu wa ta'ala jour qu'il y a qui dit moi. Excepté qui? Li pou oublie moi. Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs, quand nous guettons dans surat al-Baqarah, ayat 237, Allah subhanahu wa ta'ala met clair. Quand nous commençons à quitter l'obéissance, il fait nous oublier nous-mêmes. Et parmi ban quitte chose qui nous oublie nous-mêmes, il dit nous, wala tansaw al-fadl bainakum. Pas oublier ban faveur qui tient entre eux. Ban faveur qui tient entre eux, pas oublier li. Mais comment est-ce qu'il pour imaginer mon fait une faveur le li qui l'oublie Allah? Moi tant ni pour imaginer mon cher frère, s'il oublie ce robe, est-ce qu'il pour imaginer moi? Nous commençons li par aux parents. Est-ce qu'il me pourrait s'imaginer qui mon parent une faire pour moi, qui me peine à l'obéissance à Allah dans moi? Qui me trouver? Me trouve ça qui moi me faire pour mes enfants? Ça me trouver? Me trouve mes enfants peine à reconnaissance envers moi. Ben moi, est-ce qu'il m'en a reconnaissance envers mes parents? Pareil comme ça, même chers frères et sœurs, quand nous guettons de toute façon, qu'il y soit de nous travail, parmi les gens qui nous donnent nous l'éducation, qu'il y soit ce qu'il est ou bien digne, parmi les frères et sœurs de propre la case, est-ce qu'il nous reste reconnaître ban faveur qui fin ena entre nous? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à nous, wala tansaw al-fadl bainakum, pas oublier ban faveur, ban bon moment qu'ils ont fin passer entre eux. Comment ça dit mouna arrivé oublier ça? Vous connaissez qui fait? Parce qu'il est fin oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il est fin oublier Allah subhanahu wa ta'ala? Excepté pas, il quitte ban l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, chers frères et sœurs, parmi ban quitte chose qui est incroyant, il pas amené zis pour mazin zis akhirat, c'est que Rabbul Alamin dit, wabta'i fi ma ataka Allahu dar al-akhira, wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Rode ça qui te robe fin garder pour toi de akhirat, mais c'est ma pas oublier te pas de dunya. Ça aussi, Allah ne nous pas oublier. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fini d'amener ça, oublie là, zis dans une seule direction. Tu n'as pas de dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait li. Mais c'est ma de qui façon? Si il peut cause akhirat, sa robe là peut cause dunya, veut dire être de dunya, pas oublier te pas de dunya, qui halal. Pas dire, mais indiamant pas oublier mon pas de dunya, non? Il travaille 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, il plonge à ça, il plonge maghrib, il plonge à ça. Mais je pas oublier pas de dunya, non? C'est lui qui ne dit toi pas oublier te port de dunya, lui ne dit toi pas oublier akhirat avant. Lui ne dit toi rod akhirat avant. Ensuite, il cause dunya. Comment se fait-il te concentrer zis de dunya los? Comment se fait-il te concentrer zis de dunya? Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs, parmi les qualités qui rentrent dans un djimoun, quand il oublie Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, il peut oublier jour qiyama. Il peut oublier qu'il s'abonne action qu'il peut faire à Zodji là, un jour tout cela pourrait paraître devant lui. Il n'y a pas imagine ça, parce qu'il n'y a pas imagine Allah. Sa bonne action qu'il peut faire à Zodila, qu'il soit bon ou bien mauvais, un jour ça pourrait paraître devant lui. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Fadhuqu bima nasitum liqa ayyomikum hadha, inna nasinakum. » Comment se goûte sa punition qui t'a oublié concernant sa jour-là? À Zodila, nous oublié toi. Parce qu'il t'a oublié qui est dans sa jour-là. Action qu'il peut faire, t'a oublié qu'un jour tout pourrait paraître devant toi, qu'il y soit de ta vie, qu'il y soit de ton travail, qu'il y soit de n'importe qui place l'eau la terre, connais sa action, sa parole qui te peut dire là, excepté qu'un jour, ça pourrait paraître devant toi. Mais si tu oublies ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Pour dire ça, man dit mounna, mais aujourd'hui, nous sommes oubliés toi, parce qu'il t'a oublié qui est dans ce jour-là pour te revenir. Tu as oublié qui ce jour-là te pour revenir devant nous pour toi. Pour te rendre compte. Chers frères et sœurs, pour un celui qui est dans l'iman, il fait la différence entre oublier, qui vient de nature dans lui-même, parce qu'il entend un insan pour oublier, mais seulement il connaît qui concernant ce dîne et n'a pas de priorité. Concernant ce dîne et n'a pas de point essentiel qu'il n'est pas capable d'oublier. Et parmi sa bonne raison, qui amène un croyant pour oublier, sa bonne point essentiel concernant ce dîne, chers frères et sœurs, c'est que quand je suis étonné, il finit sur l'écrire. Comment Shaitan gagne sur l'équerre? C'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'enfant Adam fait un péché, Allah subhanahu wa ta'ala met un point noir sur l'équerre. S'il demande pardon, sa point noir là enlevé. Mais s'il continue, sa point noir là continue, jusqu'à qu'il équerre la même vin, vin noir. Il continue de pécher. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, istahwadha alayhim shaitan, fa ansahum dhikrallah. Shaitan, il finit prendre autre l'équerre. Première question que j'ai oublié, c'est quoi? J'ai oublié Allah. Vous oubliez Allah. Tant qu'il y a désobéissance, paix, il y a demande pardon,
ça les qui elle commence vin noir. Une fois qu'il une vie commence vin noir, chers frères et sœurs, excepté qui c'est Shaitan qui peut faire la victoire au salé qui est là. Première petite chose qu'il peut attaquer quand il prend les qui un démon, il fait l'oublier. Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, chers frères et sœurs, parmi les petites choses qui fait un insan oublier, l'oublier. Comment est-ce qu'un démon capable de dire tu les comme oublier fait assal aujourd'hui? Tu oublier fait assal aujourd'hui? Comment ça? Comment ça? Oui, si un démon y a habité faire lui dans soleil, jour qui soleil in décalé, il capable penser l'infini faire. Mais seulement pour un croyant vient avec ou dire comment oublier namaz aujourd'hui? Un jour dans la case, l'oublier fait namaz. Qui fait? Parce qu'il caugeait ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans sourate Zumar ayat 8 wa idha massa al-insanu durr da'a rabbahu munibina ilayh. Quand il a difficulté, il demande Allah subhanahu wa ta'ala, il retourne vers Allah. Thumma idha khawalahu ni'ma minhu nasiya ma kana yad'u ilayh. Comment Allah donne une faveur qui arrive lui l'oublier. Chers frères, quand nous malades, nous imaginons Allah beaucoup oui non. Comment nous bien qui arrive nous? Comment nous bien qui arrive nous? Quand le travail peut tomber dans la difficulté, nous m'assignons Allah, oui non. Comment le travail là reprend? Qu'est-ce qui arrive nous? Get insan. Get insan. Bonne raison qui fait lui oublier Allah. Ça ne veut pas dire nous ne demandons pas Allah sa faveur. Nous demandons Allah sa faveur, mais seulement, oh Allah, quand tu donnes ma faveur là, pas faire ça, il y a une raison qui m'a oublié toi. Qui m'oublie toi. Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs, quand nous guettons dans Surah Furqan, ayat 18, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qalu subhanak, ma kana yambari lana an nattakhida min dunika min awliya, walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra. » Je dis, jour qiyama, gloire à toi, oh Allah, nous pas t'y droit d'oublier toi, mais seulement matta'tahum. Quand tu finis de nous ban faveur, n'oublie toi. Quand nous gagnons trop beaucoup faveur, depuis toi, oh Allah, nous, n'oubliez toi. C'est bonne raison, chers frères et sœurs, qui fait un dimoun, reste loin avec l'obéissance à Allah. Quand nous peut dire reste loin avec l'obéissance à Allah, excepté peut faire sa dimouna, oubliez Allah. Et une fois qu'il est oublié, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'oublier, oubliez lui-même. Parmi bonne raison, chers frères et sœurs, qui fait un celui qui est dans l'iman, parmi de sa catégorie là, veut dire un celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala, premier c'est péché. Premier c'est péché. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, dans un de ses bêtes, de ses poèmes qui est bien connu, quand il y a avec ce professeur, il dit « Shakawtu ila waqi'i su'a hifdhi, fa arshadani ila talkil ma'aswi, fa qala i'lam anna l'ilma nourun, wa nourullaha la yurtil raswi. » Il dit « Je vais faire une complainte avec mon professeur. » Je dis comme ça, certainement mon mémorisation peut diminuer. Il dit à moi comme ça, quitte désobéissance à Allah. Wa'lam anna al-'ilma nur. Il dit, il connaît la connaissance, c'est une lumière. Wa nurullah la yurtil raswi. Et la lumière Allah, Allah pas vous donne un désobéissant. La lumière Allah, connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala pas vous donne un désobéissant. Premier qui tient, chers frères et sœurs, c'est nous demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Afin qu'à travers sa pardon là, nous vous trouvons nos mémorisations, révinies. Parmi bonnes raisons, chers frères et sœurs, c'est pense à Allah. Dhikrullah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit Wadhkur rabbaka idha nasita. Comment t'oublier quelque chose, mazin Allah. Qu'il soit pas n'importe qui tasbi qui vous connaît. Comment arriver à oublier Wadhkur rabbak, mazin Allah, quand idha nasita. Comment arriver à t'oublier mazin Allah subhanahu wa ta'ala. T'en oublier que t'en gardes, t'en oublier qui besoin faire, mazin Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus grand rappel d'Allah, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ankabut, wa aqimis salata, inna salata tanha anil fakhsha'i, wal munkar, wala dhikrullahi akbar. Et établir namaz, établir, pas faire namaz. Faire veut dire, qu'on est de place 5, toujours on fait maghrib et chasse aujourd'hui, non? Toujours pas pisseux, ça non. Quand il dit Akim, Akim veut dire établir, l'invinen pivot de toute la vie. Établir un namaz. Certainement, ce namaz là pour empêcher toi de faire une mauvaise action. Ensuite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala dhikrullahi akbar. Ça a même plus grand zik qui est là. Si je paraissais, il y a même plus grand zik, chers frères et sœurs. Mon mémorisation pour diminuer, oui non. Les pour diminuer. Pena aucun doute. Albois casilan, albois sanatozen, albois complan, albois n'importe qui plan qui ont envie. Si ou pas faire un namaz, attend que Allah subhanahu wa ta'ala pour faire commence à oublier à l'exception de Ndimoun qui peut rentrer dans l'as. Et pareil comme ça même, chers frères et sœurs, parmi les façons que Ndimoun, son mémorisation augmentée, veut dire qu'il n'est pas oublié, surtout une petite chose essentielle concernant ce dîn, c'est Abu Hurayra radiallahu anhu. Une personne rentre dans masjid,
Il dit, moi, j'ai une question digne pour poser. Hadith qui trouve dans An-Nasa'i. Un de ban sahaba djali, al get Abu Huraira. Il dit, qui fait mon besoin get li? Mon vin demande tatou est un sahaba? Il dit, non. Il dit, un jour, moi, avec lui, nous, tu peux assiser dans masjid. Nous, tu peux faire zikrullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentré, il dit, non, qui se peut faire? Il dit, ya Rasulallah, nous peux assiser dans masjid pour nous masjid Allah. Dès là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne zot un cadeau. Il dit, zot, Befe n'y a pas de qui de homme fait amine l'eau là. Connexion qui peut causer là. Connexion qui peut dire amine l'eau de Wallah là. Bonis qui ont gagné, c'est ça de là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à eux, fait n'y a pas de qui de homme dire. Me dit amine. Chers frères, c'est dans ce moment-là, Abu Huraira radiallahu anhu dit, Allahumma, oh Allah, inni as'aluka ilman la yunsa. Me demande-toi une connaissance qui jamais m'a oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin, excepté qui résultat chez frère, celui qui ne rapporte plus beaucoup hadith de Sadina, c'est Abu Hurairata radiyallahu an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un, mufinji sa ki zofin tande wa astaghfirullah li wa lakum. Diman Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour moi et vous autres wa li sa'iril mu'minin, et pour tout bon croyant, fastaghfiruhu, diman ni pardon, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد شيخ فرسي quand nous guette l'oubli les capables viennent faveur l'ONU imagine nous si tout l'état nous conti imagine ça dit mon qui ne fait nous du tout là jamais nous récibliez li. Nous pouvons y souffrir, oui, non. Nous imaginons sa maladie qui, quelques-uns, nous gagnons là, alhamdoulilah, l'inalé. Nous comptons imaginer. Imaginons, nous restons imaginés, nous restons dans l'état, quand ils viennent de nous, nouvelle maillette, un proche avec nous. Si pas nous, maman, nous, papa, nous, frères, nous, sœurs, nous, enfants. Mais comment nous, tu peux vivre la terre? Comment est-ce que nous, tu peux vivre la terre? Excepté que si ça, tu restes dans nous la tête, comment il y était le premier coup, nous pas oublier lui du tout, c'est nous-mêmes, tu peux souffrir. Allah subhanahu wa ta'ala fin amenni comme une faveur aussi qui demain sa dimoun la sa insana même dans l'i et na oubli ban point essentiel concernant ce dit ni pas gain droit oublié mais ban aspect ban étape qui vient de sur la vie qui ne fait li du tout fin mort li arriver li oublié afin qu'il est capable de réjouir afin qu'il est capable content quelques moments de sur la vie mais un contentement n'est pas capable durer chers frères et sœurs si ta lire moi attrape Coran. Je guette les sangs qui m'ont ouvert. Je dis à moi-même, je suis content sur ça, mais seulement je m'en oublie. Là, je ne suis pas content. Là, je ne suis pas capable de content. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit Inna mathalu sahib al Quran, ka mathalu sahib al ibil. Certainement, un celui qui n'apprend sa Quran là, qu'il y soit un surah, un sipara, un tiers Quran, un Quran complètement, lui, comme dit, un kiken kenen chameau. Te faut bien tasli. Si tu as ta sli, il pourrait sortir toi. Si tu l'as gli, il y aller. Chers frères, si je trappe sa Quran, je suis devant moi et je dis à moi-même, combien je mange là-dedans? Combien je m'oublie là-dedans? Je vous riez. J'avais comment on connaît ça? Comment on connaît ça? Ce n'est pas une petite chose de rire. Mais il vient grave. Comme on connaît le hadith Abi Wa'il an Abdillah, radiyallahu anhu, قال Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bi'sa ma li ahadihim. Mali, bi'sa, mauvaise qualité. Pareil que ma ni'ma. Ni'ma veut dire une bonne chose. Quand dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bi'sa al-Maswir, une mauvaise destination. Bi'sa li'ahadihim, une mauvaise chose pour un parmi eux autres. Un yakoulu nasitu ayatu kaita wa kait. Qui lui dit mon oublié tel ayat. Une mauvaise chose ça. Qui fait Bal nusiya. Mais non, il ne fait l'oublier ça. Comprends bien la différence qu'il y a.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, pas dire t'en oublier sa ayette là. Non, dire, il fait moi oublier sa ayette là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam contient les dire, وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ نَقِيدًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالُ فِي صُدُورِ الرِّجَالُ مِنَ النِّعَامِ. Il dit, quand il révise le bansoura, parce que ça même plus grand faveur qu'il y en a dans notre testament. Mais ça qui est avec nous dans ce hadith là, c'est quoi, chers frères et sœurs? Pas dire mon oublier un ayette. Pas dire mon oublier sa sourate là. Mais dire, je vais être oublié. Qui fait? Parce que quand Allah trouve un djimoun, il n'a pas mérite pour lui connaître sa parole, Allah qui fait? Allah fait l'oublier. Allah fait l'oublier. Ça, c'est gravité. Et ça, il vient un mauvais djimoun. À ne pas confondre, chers frères et sœurs, avec hadith qui trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yarhamullahu fulan, qui Allah gagne pitié de un tel. Un tel là, c'est qui ça n'a? Ubay ibn Ka'b radiallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Faqad zakarani aya kuntu ansaytuha. Il dit certainement, il fait m'en rappeler un ayat qui m'ont oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah gagne pitié pour ce sahaba là. Il fait m'en rappeler un ayat qui m'ont oublié. Au fait, ce qui est arrivé, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait salat, il finit oublier un ayat et ce sahaba là finit d'y. Donc, ça, en tant qu'un insan, arriver à oublier un bout oui non. Et non pas nous mentir complètement. Et non pas nous, nous mentir complètement. Chers frères et sœurs, être sûr qu'il y a un de bon péché grave qui est dans sa dîna, c'est quand nous oublions ban sura qui nous apprend de maktab, qui nous apprend de madrasa. Nous oublions li, être sûr que c'est un pomme ban péché grave. Attention, et n'a dit mon assez capable de dire, mais si oublier grave, mais je ne vais pas prendre rien à l'os. Comme ça, je ne vais pas oublier. Mais dis moi-même, au fait, je ne vais pas oublier ça, c'est Allah qui fait moi oublier li. Mais si Allah fait moi oublier li, c'est une mauvaise chose. Mais si Allah fait moi pas prendre lui-même, qui est le plus grave à l'os? Si Allah pas choisi moi pour prendre sa parole, qui est sa action là? Li, le plus grave. Donc, chers frères et sœurs, avant qu'il a mort vienne nous, au moins pas nécessaire nous terminer, nous pas dire pas nécessaire d'un sens, mais seulement dans le sens qui nous connaît nos responsabilités, mais au moins les efforts qu'il m'a fait. Retourne vers Bansoura qui m'a déjà connu. Retourne vers Bansoura qui m'a déjà connu, afin qu'il ne m'a pas vienne un de ban plus mauvais du monde, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin averti contre moi, un de ban du monde, qui Allah subhanahu wa ta'in choisi à eux, pour oublier ce parole, et pour montrer nous, valer, mémoriser sa bonne qualité parole là, chers frères et sœurs, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naddar Allahu wajhu imra'an hafiza maqali wa adda'aha ila man lam yasma. Qui Allah subhanahu wa ta'ala éclaircit visage en personne, li tan mo parole, li mémorise li. Li tan mo parole, li mémorise li, et li amène sa parole là vers ban qui pas fin. Qui pas fin tan sa parole là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin met une condition, c'est qui ban condition, l'intan hadith là, l'in mémorise li. Ensuite, il a donné sa ban qui pas fin, tendez. Résultat, Allah subhanahu wa ta'ala éclairci visage sa djimoun là, qu'il y soit de dunya ou bien dans akhirat. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, en tant qu'un insan, nous oublier, oh Allah, mais seulement jamais te faire oublier nous. Dans n'importe quelle situation nous était, nous dans difficulté, nous poumazine toi, mais seulement faire nous vin ban qui. Quand je dans un moment contentement, je m'imagine toi plus beaucoup. Quand nous travaillons et morcer, oh Allah, fais-nous m'imagine toi plus beaucoup. Quand nous en bonne santé, fais-nous m'imagine toi plus beaucoup. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait l'oubli, vide un de bonne qualité. Qui quand nous m'imagine ça qui est là, tu peux faire nous triste. Mais fais rappel, vide un de bonne qualité. Quand nous rappelle tout bonne quelque chose, nous rapproche avec toi. Que Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, fais-nous vide pour m'imagine, qui m'imagine ce parole. Prends depuis Alhamdulillah, jusqu'à minal jinnati wa nas, afin jour qiyama, quand nous déboutons devant lui, excepté qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fier, qui nous fin font partie de ce umma. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahabihi ajmarin, qumu li salatikum.